السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le deuxième modèle d'examen normalisé local en physique chimie semestre 1, troisième année collège BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice 1, noté sur 8 points. Répondez par vrai ou faux quand on dilue une solution acide, son pH augmente. La matière organique y constitue principalement d'atomes de carbone et d'oxygène. Une solution basique a un pH inférieur à 7. Lors de la dilution d'une solution d'acide, on verse l'eau dans l'acide. Deuxième question, cochez la bonne réponse. L'atome est constitué de un noyau et des ions, un noyau et des électrons, un noyau et des atomes. B, la formule chimique de l'oxyde de fer 3, I, Fe, Fe3O4, Fe2O3. C, le métal qui ne réagit ni avec l'acide chlorhydrique ni avec la soude, I, le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. D, le noyau porte une charge négative, positive, nulle. Troisième question, relié par une flèche, CO, Al2O3, le plastique, l'air humide. Isolant électrique, produit de la combustion incomplète des matières organiques, alumine, provoque la rouille de fer. Quatrième question, complétez les phrases ci-dessous par les mots suivants. Porose, yanimasamia, l'eau, matériaux, réaction chimique, non poreuse, réel massamia, plastique, les métaux, le dioxyde de carbone, le verre. Pour fabriquer les objets, on utilise des. On distingue trois grandes familles des métaux, ou bien des matériaux. La combustion des matières organiques est une qui produit essentiellement et d'autres produits. La rouille est une couche alors que l'alumine est une couche. Exercice 2, noté sur 8 points, partie 1. Le noyau d'atome de magnésium Mg contient 12 charges positives. On donne la charge élémentaire E égale 1,6 × 10⁻¹⁹ coulomb. Donnez le numéro atomique Z de l'atome de magnésium, yani l'adad darri, l'hydrate de la magnésium. Déterminer QE, la charge des électrons, shuhnat, l'électronat, de l'atome magnésium en fonction de E et en coulomb. Yani, yati shuhnat, électronat, darrat, magnésium, bidrat E, thumma bidrat C, coulomb. Troisième question, l'atome de magnésium peut prendre deux ou bien peut perdre deux électrons pour former l'ion de magnésium. يعني ذرة المغنيسيوم يمكنها أن تفقد إلكترونين لتعطي أيون المغنيسيوم. Écrivez la formule chimique de l'ion magnésium. اكتب صيغة الكيميائية لأيون المغنيسيوم. Déterminez le type de cet ion, cation ou anion. Calculez QI, la charge de l'ion de magnésium ou bien de magnésium en fonction de E. وحسب شحنة أيون المغنيسيوم بدلالة E. La partie 2. Quand on lisse une plaque neuve, l'aluminium exposé à l'air humide, il se couvre d'une couche grise d'oxyde d'aluminium, c'est l'alumine. Écrivez l'équation d'oxydation de l'aluminium. La partie 3. On verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique de pH égale 2 dans un tube à essai qui contient le zinc métallique. On observe l'émission d'un gaz incolore qui détonne à l'approche d'une flamme. يعني غاز يتفرقع عندما نقرب
ذهب من فواز الأنبوب. À la fin de la réaction, la solution prend un pH égal à 5. Voilà. Voilà le zinc et voilà l'acide chlorhydrique. Donnez le nom et la formule chimique du gaz formé. يعطي الصيغة الكيميائية و الاسم للغاز الناتج أو المتكون. Donnez le nom et la formule chimique ionique de la solution finale. يعطي اسم والصيغة الكيميائية الأيونية للمحلول النهائي. Écrire l'équation simplifiée de cette réaction. اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل. Expliquer l'augmentation de pH lors de cette transformation. يعني فسر زيادة pH لهذا التحول أو في هذا التحول. Exercice 3. Noté sur 4 points. Au laboratoire, vous disposez de 3 flacons, 3 قارورات, qui ne portent aucune étiquette, لا تحتوي على اللاصقات, et qui contient 3 solutions aqueuses, incolores, تحتوي على 3 محاليل مائية غير ملونة, يعني متشابهة. La solution de chlorure de sodium, Na+++ Cl-, solution d'hydroxyde de potassium, la solution de chlorure d'hydrogène, ou bien l'acide chlorhydrique, H+++ Cl-. إذن هاد المحاليل فهي محاليل مائية متشابهة لا يمكن أن نميز بين قواريرها. Le matériel disponible, papier pH, solution de nitrate d'argent, du tube AIC. Il y en a deux mal وسائل المتاحة لكي نميز بين هاد القوارير أو القارورات الثلاثة. Le matériel disponible pour distinguer ou bien identifier chaque flacon ou bien chaque bouteille. Alors la première question, proposer des expériences permettant de distinguer entre les 3 solutions et d'identifier le contenu de chaque flacon. إذن اقترح تجارب تمكننا من التمييز بين المحاليل الثلاثة والتعرف على محتوى كل قارورة. Deuxième question, donner une précaution de sécurité lors de l'emploi de l'acide chlorhydrique corrosif. الوقاية أو يعني الاحتياطات الوقائية عند استعمال حمض الكلوريدريك. إذا نتمنى أنكم تخدموا هذا الموديل هذا الدوزيام موديل في انتظار التصحيح في الفيديو prochaine إن شاء الله.